Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être la première vidéo de l'année 2019. Donc bonne année à tous, que l'année vous apporte joie, bonheur, santé et tout ce que vous voulez. J'espère que vous l'accomplirez durant cette année 2019. Et quoi de mieux pour commencer l'année qu'une vidéo sur mes lectures de 2018. Donc pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser le tag de Pocket Jeunesse qui existe tous les ans, mais l'année dernière je l'avais pas fait. Mais là j'ai décidé de le faire. C'est un tag qui contient 15 questions et qui s'appelle le tag Adieu 2018. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez y jeter un coup d'œil et faire à votre tour ce tag. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez le faire, me dire vos réponses en commentaire ou simplement à me dire vos meilleures lectures de 2018. Enfin voilà, je serais très contente de voir ce que vous avez lu en 2018 et ce qui vous a marqué. On va commencer sans plus tarder parce que 15 questions ça risque d'être un petit peu long. Donc comme vous savez, je suis ici dans mon appartement et du coup j'ai que cette bibliothèque derrière. Donc j'ai pas tous les livres que j'ai lus l'année dernière. Donc la majorité des livres, ce sera que je vous les présenterai seulement avec la couverture à côté de moi, malheureusement. La première question c'est: pouvez-vous citer vos 3 meilleures lectures de l'année? Alors j'en ai 5 finalement, mais comme c'est 3 le nombre, je me suis dit je vais jouer le jeu et je vais garder que 3 meilleures lectures. La première lecture dont je vais vous parler, c'est une lecture que vous allez voir très très prochainement sur la chaîne. C'est Quelques minutes après minuit de Sophie Jovin aux éditions J'ai lu. Ça a été une superbe superbe lecture, j'ai adoré du début à la fin. Ouais, franchement c'est assez triste, c'est assez dramatique et tout, mais en même temps il y a de l'amour et il y a des difficultés, mais il y a aussi de l'espoir. Et du coup j'ai vraiment adoré et je ne crois pas avoir vu un seul avis négatif sur ce livre. Donc voilà, j'étais un petit peu réticente au début parce que ça parle de maladie, ça parle de dépression et même d'envie de mourir, hein, d'euthanasie, et du coup j'étais pas vraiment partante pour le lire, mais vu le nombre d'avis positifs que j'avais vu, je me suis dit qu'il fallait que je m'y jette un petit peu et c'est ce que j'ai fait et je n'ai pas du tout regretté. Deuxième livre de 2018 que j'ai adoré, c'est ma lecture de Cette fille c'était mon frère de Julianne Peters aux éditions Milan. C'est un livre qui a été réédité, moi j'ai la nouvelle édition qui date déjà de quelques années, mais il était déjà sorti avant. Et en fait je suis tombée dessus totalement par hasard et voilà, ça m'avait l'air sympa, j'avais un petit peu envie de changer, c'était à ma période où je lisais beaucoup de dystopie, pardon, et où j'avais un petit peu envie de changer, de lire des romances ou de lire un peu des contemporains. Et je suis tombée sur celui-là et j'ai pas du tout été déçue. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Regan et dont le frère est transgenre. Donc il se sent fille au fond de lui-même. Et en fait, Regan est la seule personne à qui son frère se confie. Et du coup, elle doit porter ce lourd secret et elle le porte vraiment comme un fardeau, comme un poids énorme. Sa famille est très conservatrice et notamment son père. Et donc voilà, c'est un petit peu compliqué d'évoluer dans ce monde là, mais on va le voir un petit peu s'épanouir au fur et à mesure. Et j'ai vraiment vraiment adoré, c'était très touchant, j'ai pleuré à la fin. Ouais, c'était vraiment un bon livre qui je trouve n'est pas assez connu. Troisième et dernier livre du coup que j'ai mis dans ce top 3, c'est Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. C'est un livre que j'ai tout simplement adoré. Même si je dois dire que je ne me souviens plus exactement pourquoi je l'avais aimé. C'est une romance, hein, comme les romances que fait Colleen Hoover, c'est-à-dire des romances qui sont un petit peu dans le dramatique, dans la psychologie. Là je sais pas, ça m'a vraiment touchée et pourtant après coup, et là je peux plus vraiment vous dire, je pourrais pas vous expliquer pourquoi j'ai tant adoré et pourquoi j'ai pleuré comme ça. Mais c'était vraiment, vraiment un super livre. Deuxième question, citer les 3 pires lectures ou les 3 plus grandes déceptions de cette année. Les 3 plus grandes déceptions, c'est pareil, là j'en avais 5 mais je vous en parle que de 3. Très prochainement vous allez voir Le Passeur de Loïs Loris sur ma chaîne, donc j'ai pas trop envie de m'étaler dessus, mais ça a vraiment été une lecture que j'ai pas trouvé intéressante du tout, où les personnages m'ont pas plus intéressé que ça, où l'univers était pas crédible, enfin vous voyez. Donc du coup c'est vraiment une lecture qui m'a vraiment déçue. Mais si je devais en citer 3, il y a Nous autres simples mortels de Patrick Ness, tout simplement parce que j'avais lu Quelques minutes après minuit, que j'avais adoré, c'était ma lecture préférée de l'année 2017. J'avais vraiment adoré tout de A à Z, j'avais été touchée, j'avais pleuré, bref,
c'était vraiment, je sais pas, la plume de l'auteur, son histoire en elle-même et tout, ça m'avait vraiment... j'avais vraiment adoré. Et là en fait j'ai trouvé que l'auteur n'avait pas réussi à m'embarquer en fait dans son univers. Deuxième roman qui a été une grande déception, c'est encore avec une auteure là que j'avais vraiment adoré, avec sa première saga qui était Divergente. Et là pour le coup ben ça l'a pas du tout fait avec moi, donc c'est Marquer les ombres de Véronica Ross. Le tome 2 est sorti il y a très peu de temps d'ailleurs. Le premier tome, voilà, je l'ai lu, j'étais prête à l'aimer, j'étais prête à adorer les personnages, l'univers et tout. L'univers avait l'air dingue et finalement c'est pas l'univers qui m'a déçue, mais c'est plus ce que faisait l'auteur de son histoire, puisque elle faisait tout dans le... elle essayait tout de forcer les choses en fait. Vous voyez, elle essayait de mettre à tel moment telle réplique parce que fallait qu'à tel moment il y ait cette réplique pour pouvoir déclencher certaines autres actions, etc. Et au lieu que ce soit fluide et que voilà, qu'on sente qu'il y a des choses qui sont un petit peu dues au hasard ou quoi que ce soit, finalement c'était tout forcé quoi. L'histoire d'amour, les actions qui se passaient. Et pour finir, la troisième lecture qui m'a déçue, c'est La Loi du cœur d'Amy Harmon. J'ai d'ailleurs Le Chant du cœur dans ma bibliothèque et je suis un petit peu déçue parce que je pense pas le lire franchement. En fait ça m'a vraiment déçue parce que, pas que ça soit le plus mauvais livre hein, que j'ai jamais lu, mais j'ai trouvé que ce que le livre et ce que le résumé nous promettait n'était pas en adéquation avec ce qu'on voyait dans le livre en fait. Déjà les personnages, notamment Moïse qui est le garçon, il est décrit comme un enfant à problème, un ado qui va de foyer en foyer, enfin de famille d'accueil en famille d'accueil parce que personne ne veut de lui. Et finalement, et ben, quand on le rencontre de visu, enfin les personnages disent ça de lui et voilà, on se forge une certaine opinion de lui. Et finalement, quand il va rencontrer notre personnage féminin, Georgie, il va se comporter certes un petit peu bizarrement, mais il va pas du tout être comme on l'avait décrit quoi. Et du coup, je me suis dit ok, je comprends pas trop d'où ça vient, pourquoi il a une réputation comme ça alors que il ne l'est pas en fait. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui coïncidaient pas vraiment. Voilà. J'ai vu pourtant qu'il y a pas mal de gens qui avaient apprécié et je voulais essayer voilà un livre d'Amy Harmon parce que un de ses livres qui est Nos Faces Cachées, je crois bien, avait fait vraiment parler de lui beaucoup à sa sortie et j'avais envie de découvrir la plume d'Amy Harmon. Et je pense lire Nos Faces Cachées quand même si j'ai l'occasion. Parce que certainement que Nos Faces Cachées est mieux que celui-ci. Question 3, citer le meilleur roman PKJ lu cette année. J'ai pas lu énormément de romans de PKJ. Et en règle générale, je ne lis pas énormément de romans durant toute l'année. Mais là, j'avais envie de vous parler de Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick, qui est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. On suit une jeune fille qui a été témoin d'un meurtre et du coup elle est mise sous protection policière, judiciaire, je sais plus comment on dit. Et du coup elle est envoyée loin de sa famille, loin de ses amis dans un petit village perdu où elle ne connaît personne et où elle va devoir se créer une autre identité et surtout ne jamais parler de sa vraie identité. Au cas où le meurtrier ou quelqu'un qui connaît le meurtrier veuille venir la tuer tout simplement. Donc au début, on s'en doute, c'est une ado, elle a pas vraiment envie d'être chaperonnée, elle a pas vraiment envie de quitter sa famille et de s'en aller du lycée là où elle avait toutes ses amies. Mais finalement elle va s'attacher petit à petit à la ville, elle va s'attacher à certaines personnes, notamment elle va rencontrer un garçon. Et il y a toujours un fond un petit peu de mystère et de peur où on se dit que peut-être un tueur rôde par là et que il voudrait venir tuer notre héroïne. Mais voilà, c'était vraiment une très bonne lecture que je vous conseille. Quatrième question, citer le premier livre lu en 2018. Le premier livre que j'ai lu en 2018, c'est Losing Hope, donc qui est le tome compagnon d'Hopeless de Colleen Hoover aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, tout comme Hopeless. Et puis sachant que Hopeless, je l'avais lu plusieurs années auparavant, et ça m'a permis de me replonger un petit peu dans l'histoire. Et le dernier livre lu en 2018, c'est aussi un livre de Colleen Hoover et c'est À première vue.
que j'ai moins aimé, mais je vous en parle très très prochainement puisque c'est puisque je n'ai toujours pas fait de vidéo à ce propos sur ma chaîne. Mais c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Mérite et qui vit vraiment dans une famille assez bizarre où il y a à la fois son père qui a fait cocu sa mère, donc sa mère aussi vit avec elle, et avec sa nouvelle femme à son père. Donc du coup bah il y a deux femmes sous le même toit qui partagent le même homme, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup après Mérite elle a une sœur jumelle pardon, et on va dire que Mérite c'est la sous-jumelle et que sa sœur c'est la plus jolie, la plus intelligente, etc., etc. Donc elle a un petit complexe d'infériorité tout petit, et elle a aussi son grand frère. Et du coup, et ben, y a une histoire d'amour aussi là-dedans, mais c'est plus centré sur les désespoirs adolescents, vous voyez, les problèmes qu'on peut rencontrer à l'adolescence, les problèmes d'identité, d'amour aussi, d'amour propre, etc. Plus qu'une histoire vraiment d'amour avec un garçon, même s'il y en a un là-dedans. Sixième question, citer le livre qui a la plus belle couverture. Et là, je vais citer le tome 3, Des fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, puisque comme toutes les couvertures de cette série, la troisième couverture ne fait pas exception à la règle et elle est tout simplement magnifique. Moi qui n'aime pas le vert d'habitude, là je trouve qu'avec le petit dessin de Babel, là, c'est tout simplement superbe. Septième question, citer une saga que vous avez terminée. Une saga que j'ai terminée, j'ai décidé de vous parler de La Sélection de Kirakas que j'ai terminée cette année. Je ne suis pas sûre d'avoir terminé autre chose que cette série là. D'ailleurs j'ai pas... Au début c'était une bonne série, j'ai beaucoup aimé les premiers tomes et puis au fur et à mesure je me suis un petit peu lassée. Mais je sais que c'est une série qui plaît quand même beaucoup et je peux pas dire que ce soit une mauvaise lecture en soi. Huitième question, citer le meilleur nouvel auteur lu, et là j'ai envie de parler de Jay Asher qui a écrit 13 Reasons Why, qui a été une de mes meilleures lectures de 2018, et j'aurais bien voulu d'ailleurs la mettre dans mon top 3, mais bon, j'ai fait mon top 3 différemment, mais du coup je peux vous en parler ici. J'ai vraiment adoré comment l'auteur réussissait à nous raconter une histoire de harcèlement, mais sous une manière très différente de ce qu'on peut rencontrer d'habitude. Neuvième question, citer la maison d'édition la plus lue. Et la maison d'édition la plus lue, quand j'avais fait le calcul, j'avais trouvé Gallimard Jeunesse. Dixième question, citer le dernier livre qui a intégré votre bibliothèque. Et là, et ben, il y en a plein en fait, qui ont intégré en même temps ma bibliothèque, puisque c'était les livres de Noël que j'ai reçus. J'en ai pas acheté depuis. Et du coup, ben, je vais quand même vous en montrer un, et j'ai décidé de vous parler de du Gang des Prodiges de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse, qui est du coup le premier tome de la trilogie, et d'après ce que j'ai compris le deuxième tome va sortir d'ici quelques mois, en février je crois bien, février-mars, donc j'attends vraiment, j'ai hâte de le lire et j'ai bien envie de le lire assez rapidement, et comme ça je pourrais peut-être, si ça me plaît vraiment, acheter le 2 à sa sortie ou pas longtemps après. Par contre c'est une petite brique et je me suis toujours pas remis complètement de ma panne de lecture, donc j'avance doucement et je préférerais peut-être commencer par des livres un petit peu plus courts que ça. Onzième question, citer le roman que vous attendiez le plus en 2018, et je suis pas du genre à attendre vraiment impatiemment un roman. Mais si je devais en citer un, ce serait Crois en moi de Taïré ma fille, donc qui est le nouveau tome de la nouvelle trilogie. Puisque en fait quand j'avais lu Insaisissable, donc la première trilogie, j'avais trouvé que c'était super, j'avais passé un super bon moment, et à la fin j'ai trouvé que c'était super ouvert et je comprenais pas vraiment ce que l'auteur voulait nous dire à propos de ça, parce que finalement je voulais en savoir plus, et le fait qu'elle ait fait la suite, et ça montre que voilà, il y a autre chose à creuser, et j'ai commencé, j'en suis vers la page 30. Donc vraiment au tout début, mais j'ai super envie de lire, et voilà quoi, je vous en parlerai du coup quand j'aurai terminé. Douzième question, citer le livre que vous avez le plus conseillé, et le livre que j'ai le plus conseillé, il n'y en a pas tellement, parce que je conseille pas souvent des livres, dans ma famille il n'y a pas grand monde qui lit, mais si je devais en citer un, j'arrête pas de répéter ça mais je suis désolée, c'est Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle et illustré par Isabelle Arsenault aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un petit album tout mignon,
qui a quand même un fond assez triste, mais en même temps c'est beau parce que ça nous montre l'importance de l'école dans un certain sens. Les dessins sont super jolis, je voudrais vous montrer. Voilà, avec la petite fille dans le coin là, c'est tellement mignon. Voilà, il y a plein d'images tout au long du livre qui sont qui parsèment du coup la lecture et qui sont je sais pas si vous verrez bien, c'est fait le focus. Voilà, il y a plein d'images qui parsèment la lecture et c'est un petit album très sympa que j'ai fait lire à ma mère, que j'ai fait lire à ma soeur et à mon père, donc voilà, je pense que je peux le classer dans les livres que j'ai le plus recommandé, même si quand la nuit devient jour je l'ai recommandé à ma maman qu'elle ne l'a toujours pas lu. Mais voilà, sachant que je l'ai déjà cité, je voulais pas remettre le même livre. Question 13, citer le livre dont tout le monde parlait, que vous l'ayez lu ou non. J'ai pas vraiment trouvé quoi que ce soit à mettre dans cette catégorie parce que je trouve que dans le monde du livre, de l'édition, et un petit peu comme dans le monde de la musique, il y a des moments où il y a une grosse... Comment dire, dès qu'il y a un livre qui sort ou dès qu'il y a une musique qui sort, et ben tout le monde va se ruer dessus et tout le monde va l'écouter pendant un mois, pendant deux mois, enfin bref, on va entendre parler que de ça pendant une certaine période, et puis après ça va tomber dans l'oubli et il va y avoir une deuxième un autre livre qui va venir prendre la relève, etc, etc. Après, depuis plusieurs années, il y a la saga Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger qui est super à la mode, et à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, et ben je le vois tourner très souvent, enfin sur beaucoup de chaînes. Voilà, à part ce livre là, et ben j'en vois pas énormément. Il y a aussi Les Sœurs Carmine qui fait pas mal parler de lui, mais vous voyez, c'est un petit peu, enfin même si le livre est sorti déjà depuis pas mal de temps, il y a quand même des gens qui continuent à l'acheter, et je vois des fois. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez eu l'impression qu'il y avait vraiment un livre qui a fait un grand boom durant cette année, et puis si vous l'avez lu, et voilà, parce que en fait le livre c'est aussi un business, hein, clairement, donc je sais pas, enfin j'ai un avis un petit peu mitigé là-dessus, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. 14e question, citez votre meilleur souvenir lié au livre. Et là, comme la question précédente, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Parce que tout simplement, pour moi la lecture, ça reste la lecture, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment d'occupation autour du livre. J'ai pas de. Voilà, je participe pas à des salons, je participe pas à des dédicaces ni rien du tout. Donc voilà, pour moi, les livres, ça se cantonne plus ou moins à la lecture en elle-même. Et même comme je vous disais, je partage pas vraiment avec d'autres personnes de mon entourage, donc j'ai pas vraiment de souvenirs qui seraient super intéressants à raconter à propos des livres. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est aller voir les livres dans les librairies, dans les médiathèques, et puis regarder un livre parce qu'il a une belle couverture, regarder de quoi ça parle. Voilà, ça c'est un petit peu mon petit passe-temps que j'aime bien faire. Voilà, je pense que comme beaucoup de gens qui aiment les livres, hein, c'est un petit peu chercher sa prochaine lecture et espérer dénicher une perle rare dont personne ne parle jamais. Et voilà, je pense que je pourrais peut-être dire ça du coup dans cette question là. 15e question, citez le livre que vous attendez le plus en 2019. Le livre que j'attends le plus, je dirais que c'est peut-être le tome 2 de la série de Neil Gaiman, donc qui est Le Pacte des Mâts. Voilà, le tome 2 ce sera Le Serment d'Andrew. Il était censé sortir déjà fin 2018 et la sortie elle a été repoussée. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il sort en 2019, je crois que c'est ce mois-ci, au mois de janvier, mais je sais pas, peut-être que ça sera encore reporté ou pas. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1 et même si c'était pas une lecture exceptionnelle, j'avais vraiment été embarquée par la plume de Neil Gaiman. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me dire quels sont vos projets pour 2019. Moi j'ai pas vraiment de projet plus que ça. Concernant les livres, et comme d'habitude j'essaye de lire un maximum mais sans me mettre la pression avec un nombre de livres donné. Et puis j'essaye de faire les meilleures lectures possibles, quoi, en essayant de rester dans ma zone de confort tout en
en essayant en même temps d'élargir un petit peu et voir ce qui pourrait me plaire et de prendre en compte aussi l'avis des autres youtubeurs et des autres blogueurs. Parce que souvent quand il y a un livre qui plaît à beaucoup beaucoup de gens, je me dis qu'il y a de grandes chances que j'aime aussi. Donc je verrai, j'espère que je trouverai des livres comme ça, des petites pépites auxquelles je ne me serais pas intéressée en fait au premier abord. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !